d'entre vous, le président en personne vient vous inviter à faire preuve d'humanité, c'est tout dire. Alors oui, nous sommes d'accord avec lui. Revoyez vos copies. Ce devoir d'humanité, cette impérieuse humanité, c'est sauver l'hôpital public et respecter l'engagement exemplaire des personnels hospitaliers. C'est doter nos écoles, collèges, lycées et universités du nombre d'enseignants dont nos gamins ont besoin pour s'assurer de leur avenir. C'est arrêter de gazer nos pompiers qui viennent revendiquer des moyens adaptés à sauver nos vies. C'est d'assurer une justice équitable pour tous en cessant de démembrer tout l'édifice judiciaire. C'est de prendre à bras le corps les enjeux du vieillissement et cesser de regarder souffrir les EHPAD. Ce n'est pas de rester les bras croisés malgré les nombreux suicides dans le monde du travail. Sans parler de la CSG, des APL, du logement social, du code du travail, des privatisations, des indemnisations des chômeurs et même du voile. Ce n'est pas de regarder couler les navires migrants. De migrants méditerranéens. Ce n'est pas d'applaudir Trump quand il propose de cracher au visage des Palestiniens en guise de deal du siècle. L'humanité, c'est écouter le peuple pour créer ensemble un monde plus démocratique, solidaire et écologique. C'est de travailler avec les gens et non contre eux. L'humanité, pour les députés communistes, c'est de rejeter la réforme des retraites qui va détruire notre modèle social. Et pour savoir si les Français pensent que leur définition de l'humanité est plus proche de la nôtre que de la vôtre, les députés communistes vous proposent monsieur le premier ministre ainsi qu'à votre majorité d'oser un référendum sur cette réforme des retraites. laissons donc le peuple trancher laissons le peuple donner son avis car au bout du compte l'humanité c'est aussi la démocratie. merci monsieur le député. La parole...